spectacle terrifiant de Pocoyo et Nina. Regardez qui voilà. Ce sont nos amis. Bonjour les amis. Où allez-vous comme ça? Ah, je vois. Vous avez des places pour le spectacle d'Halloween de Pocoyo et Nina. Quelle chance. Parfait. Tout le monde est assis. Il n'y a plus qu'à attendre le lever de rideau. Pocoyo, Nina, votre public est arrivé. Vous êtes prêts? Formidable. Dans ce cas, que le spectacle commence. Ça fait très, très peur. Oui, en effet, c'est effrayant. Je crois que les spectateurs n'ont pas vraiment eu peur. Eh bien, j'ai l'impression que votre public est très exigeant aujourd'hui. Plan B. Vous avez un plan B? Ah, je crois que Pocoyo et Nina ont quelque chose de beaucoup plus effrayant à vous montrer. Nina dit que maintenant, le vrai spectacle d'horreur et d'épouvante va commencer. Pocoyo! Thank you.
Pocoyo, ce spectacle est incroyable. Oh, j'ai vraiment eu très peur cette fois. Mais dis-moi, qui est-ce qui faisait bouger les squelettes? C'est Nina. C'est vrai, Nina? C'est toi qui faisais bouger les marionnettes? Pocoyo. Pocoyo? Mais alors, si ce n'est pas toi, Pocoyo, et si ce n'est pas toi non plus, Nina, qui faisait bouger les... Oh, j'ai très, très peur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai compris! C'est la troupe de théâtre ambulante des frères Chihuahua. Pièce de théâtre, fête d'anniversaire, baptême, enterrement. La carte qu'ils t'ont donnée, c'est leur carte de visite. Et ce numéro de danse fait partie de leur répertoire. Ah, j'ai l'impression que les comédiens doivent partir. Le spectacle doit continuer! Oui, mais loin, très loin d'ici. Cette aventure était horriblement, épouvantablement géniale. Au revoir, les amis! À bientôt! Bonjour, Pocoyo. Regardez les enfants. Mais que fait Ellie? Vous le savez, vous? Vous pouvez dire à Pocoyo comment s'appelle ce que fait Ellie?
ça. Et tu peux me croire, Pocoyo, elle est très douée. Ça a l'air d'être amusant de jongler, tu ne trouves pas? Pocoyo jongle aussi. Désolé, ce n'est pas si simple. Jongler, ça s'apprend. C'est rare d'y arriver du premier coup, tu sais. Ellie, comment as-tu appris à jongler? Elle va te montrer comment on fait. Suis-la. Ah, d'accord. C'est Octopus, notre ami pieuvre, qui lui a appris à jongler. Enfin, vas-y, Pocoyo, ne sois pas timide. Oui, merci. Je sais que c'est difficile de jongler avec plusieurs balles, Octopus, mais Pocoyo a très envie d'apprendre et je crois que tu devrais lui donner une leçon. Oh, tu l'imites. Ce n'est pas bête du tout. Tu as beaucoup de chance, Pocoyo. Octopus est d'accord pour te donner une leçon. Oui, oui, oui. Pocoyo jongle. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'Octopus veut que tu sautes sur la planche. Oui, c'est très bien. Et maintenant, on dirait qu'il te demande de prendre la forme d'une balle. C'est assez original comme leçon, mais en tout cas, laisse-moi te dire une bonne chose. Tu es très doué pour, pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Pocoyo veut jongler. Je me demande à quoi ça sert. Et apparemment, notre ami Octopus a chaud. Quel coquin, celui-là. Ça, c'est encore plus intéressant. Maintenant, Octopus te demande d'ouvrir et de fermer le parapluie plusieurs fois de suite. J'imagine qu'il a une idée derrière la tête. C'est très bien, Pocoyo. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai l'impression qu'Ellie et Octopus ont monté un petit spectacle. Pocoyo, Octopus te demande de venir sur scène avec eux. Oui, oui, toi. Vas-y. Oh,
je comprends mieux pourquoi Octopus lui a fait faire tous ces exercices bizarres. Tu es encore trop petit pour savoir jongler, Pocoyo, mais tu as juste la bonne taille pour qu'on puisse jongler avec toi. Finalement, tu as participé au spectacle et je peux même te dire que c'est toi qui en étais la vedette. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Yeah.
voici nos amis Pocoyo, Pato et Ellie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, mais c'est une malle remplie de déguisements. Alors, vous avez envie de faire quoi aujourd'hui? Vous le savez, les enfants. Ils vont se déguiser. Oui, se déguiser. Mais oui, quelle bonne idée. Histoire. Pardon. Ah, tu veux que je vous raconte une histoire, c'est ça? Et vous, vous ferez semblant d'être les personnages. Oh, oh, ça va être très amusant. Et ça tombe très bien parce que, justement, sans me vanter, je raconte assez bien les histoires. Allez donc vous préparer. Il était une fois, dans un très lointain royaume, un jeune prince connu dans le monde entier pour son courage. Ah, d'accord. Oh, non, non, attendez les amis, on se calme. Le prince, c'est forcément celui qui a une couronne sur la tête. S'il vous plaît les enfants, pouvez-vous nous dire lequel des trois est bien déguisé en prince? Pocoyo. Eh oui, c'est Pocoyo. Désolé les garçons. Bien, où en étais-je? Ah oui. Donc, ce jeune prince était appelé Prince Pocoyo. Hourra! Et il était très courageux. Et très mignon aussi. Et fort. Ah, encore? Et grand aussi, évidemment. Mais le prince ne vivait pas seul dans son royaume. Oh non! Il y avait aussi une magnifique princesse éléphante. Qui avait... Non, pas d'oiseau. Merci, bébé oiseau. Au revoir. Oh là là. Je reprends. Elle était sans aucun doute la créature la plus douce, la plus adorable, la plus gracieuse de tout l'univers. Sa beauté et sa gentillesse faisaient l'admiration de tous. Sa force aussi. Oui, bon, d'accord. Non, c'est très impressionnant, Elise. Oui. Seulement, je ne pensais pas parler de ça dans mon histoire. Mais tu as raison. Une princesse qui soulève des haltères, c'est intéressant aussi. Je le reconnais. Bien. Alors, où en étions-nous? Ah, oui, voilà. La jolie et gracieuse princesse éléphante vivait dans ce château. Elle était amoureuse du prince. Et le prince l'aimait, lui aussi. Oh, je trouve que ça se déroule plutôt bien, finalement. Seulement, la princesse était affreusement triste. Elle ne pouvait pas aller jouer avec le prince Pocoyo à chaque fois qu'il venait la voir, car un méchant canard l'en empêchait et la retenait prisonnière. Méchant ! Il était cruel et fourbe et... S'il te plaît, fais un petit effort, Pato. C'est toi le méchant dans l'histoire. Écoute, je te promets que la prochaine fois, ce sera toi qui joueras le prince charmant. D'accord? S'il te plaît. Tiens, je te le jure. Bien! Donc, le méchant canard était vraiment cruel et fourbe et ça ne tournait pas rond dans sa tête. Plus fou que ça, peut-être. Oh, allez, encore un petit peu plus fou, Pato. Ce serait mieux pour l'histoire. Ah, comme ça, c'est parfait. Merci, Pato. Donc, quand le canard vit le gentil prince approcher, il décida de lui faire peur pour qu'il s'en aille à jamais et il appela son terrible dragon. Un dragon qui pouvait cracher du feu. Eh oui. Le dragon bondit sur le gentil prince et commença à lui faire des bisous. Oh, mais non! Mais, bon, tant pis. Et, évidemment, le méchant canard se mit très en colère et il envoya son meilleur guerrier, le dodo chevalier, et son imposante armée de soldats. Oui, bon, rebonjour, bébé oiseau. Cette fois-ci, le pauvre prince Pocoyo se retrouva encerclé. Il n'avait aucun moyen de s'échapper. Que pouvait-il faire? Ah! Il invita tout le monde à un super pique-nique. Mais pourquoi ai-je posé la question?
Il les invita aussi à faire une sieste dans son lit. Mais le méchant canard était toujours aussi furieux contre lui, tellement furieux qu'il se mit à arroser ses plantes. Ah, ça c'est étonnant. Et la princesse éléphante décida d'aller faire un tour en trottinette. Ellie, Ellie, mais c'est moi qui raconte l'histoire. Quant au prince Pocoyo, il fit un tour dans sa voiture. Et le méchant canard, lui, acheta un canari au marché. Oh, une petite minute. Mais ça y est, je sais. Oui, il était une fois une bande d'amis formidables qui aimaient par-dessus tout se retrouver et jouer ensemble. Oui, oui. Oh, je l'adore, cette histoire. Un grand bravo pour les conteurs d'histoire et un autre pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Regardez, je vous présente nos amis de l'orchestre des bals. J'adore leur musique. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Tu es venu écouter la musique jouée par nos amis musiciens, c'est cela? Chut. Ah, excuse-moi, Pocoyo. Pocoyo a envie d'écouter la musique sans être dérangé. Je vais essayer de ne pas faire de bruit. Regardez ces pâteaux. Chut. Oh, pardon. Regardez ces pâteaux. Oh, quelqu'un vient par ici. À ton avis, Pocoyo, qui cela peut-il bien être? Hé, les enfants, dites-lui qu'il vient d'arriver. Ellie. Ellie. Eh oui, c'est Ellie. Bonjour, Ellie. Chut. Oh, j'oublie tout le temps. Eh oui, la musique s'est arrêtée. Je suis désolé. Les musiciens de l'orchestre sont partis. Oui, je sais, c'est dommage. La musique était vraiment jolie, n'est-ce pas? Encore? Ça m'étonnerait beaucoup que l'orchestre revienne, Pocoyo. Oui, je suis d'accord. Et si tu réfléchissais à un autre moyen pour faire de la musique, ça ne doit pas être compliqué. Oh, regardez! Je crois que Pocoyo a une idée. Ah, bravo! Pocoyo a réussi à trouver des instruments de musique. Une paire de cymbales, un tambour et enfin une trompette. Ce sont les mêmes instruments que dans l'orchestre. Quelle merveilleuse idée! Vous allez pouvoir jouer votre propre musique. Musique!
Ne le prenez pas mal, mais ce n'est pas de la grande musique. Oh, regardez! Regardez qui voilà! C'est Dodo l'oiseau. Vous l'avez réveillé. Elle essaie de vous dire que vous l'avez réveillé avec tout ce bruit. Oh, pardon, je veux dire avec cette musique merveilleuse. Pardon, pas fait exprès. Bon, d'accord, vous n'êtes pas aussi doué que les musiciens de l'orchestre des bals, mais il faut répéter pendant longtemps avant de savoir jouer correctement d'un instrument. Bonne musique. Écoute, Pocoyo, tu n'as pas besoin d'instrument pour faire de la musique. Il y en a tout autour de toi. Écoute très attentivement. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien l'aider? Les enfants, quels sons autour de Pocoyo ressemblent à de la musique? L'oiseau qui ronfle! C'est l'oiseau! Oui, Pato, tu as compris ce que je voulais dire. Exactement, Ellie. Continue. C'est parfait, Pocoyo. Bravo. Écoutez-moi ça, c'est très joli. Ça alors? Apparemment, l'orchestre a très envie de jouer avec vous. Vous devez être flattés, les amis. Vous voyez, les enfants, il existe différentes façons de faire de la musique. Jouez avec nous, c'est amusant! Un grand bravo pour Pocoyo! Au revoir et à très bientôt! Rock and roll. Bonjour Pocoyo. Tu joues de la guitare.
Excellent! Vous avez formé un groupe de rock, les amis! Bonne idée, Fred. On va prendre une photo de groupe. Qui est le leader? Moi! Une photo de groupe parfaitement réussie. Bravo, Ellie! Maintenant, il faut prévenir tout le monde que vous allez donner un concert. Nina aussi prévient tous ses amis. Bien joué, Pocoyo! Ah, c'est le grand soir, le soir du concert de rock. La salle est pleine à craquer. Bon, eh bien, il vous reste au moins un fan. Oui, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est du rock'n'roll, les amis. Au revoir et à bientôt! Bonjour, Pocoyo! Bonjour! Une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. De l'autre côté. Non, 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 pardon. Dans l'autre direction. Oh, mon pauvre. Quoi? S'il vous plaît, les enfants, dites-lui où regarder. Regarde derrière toi. C'est ça. C'est un tout petit théâtre. Non, attention. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte. Oh, ça alors. Quelle surprise! Eh oui, c'est toi! C'est la marionnette de Pocoyo! Tiens, je me demande ce qu'il est en train de faire, pas vous? Je m'appelle Pocoyo!
toto. C'est moi, Pocoyo. C'est difficile d'être à la fois le marionnettiste et le spectateur. Demande plutôt à tes amis de venir te servir de public. Ils ont bien aimé le moment où ta marionnette est tombée. Très amusant. Je voudrais qu'on en applaudisse très fort pour Pocoyo et ses marionnettes. Ellie, Pato, bébé oiseau et la petite chenille veulent vous montrer quelque chose. Faites-nous confiance, vous allez passer un bon moment. C'est toi, Ellie. Tu es trop mignonne comme ça. Attention, Ellie. Je suis sûre qu'ils aimeraient que le spectacle continue. Regardez, j'ai l'impression que cette histoire-là va se passer dans l'espace. Ah, je vois. C'est Pocoyo le héros de cette aventure. Bravo. Oh, regardez, un martien. Ellie et Pato ont l'air d'avoir très peur. Les martiens ont demandé à Pocoyo d'être leur roi. Ellie et Pato n'ont pas l'air de l'aimer, cette histoire. Le roi Pocoyo. Ellie. Pato. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tes amis font la tête. S'il vous plaît, les enfants, vous pouvez expliquer à Pocoyo pourquoi ses amis sont fâchés. Tu t'es moqué d'eux. Oui, c'est parce que tu t'es moqué d'eux. Ça t'est égal s'ils font la tête. Dis la vérité, Pocoyo. En réalité, ça te fait de la peine. Pocoyo pas fait exprès. Pocoyo triste. Mais tout le monde se réconcilie. Un grand bravo pour les marionnettes. Pardon. Nos amis ne sont plus fâchés. C'est ça qui compte. Au revoir et à bientôt. Bonjour, Pocoyo. Via. Par là? D'accord. Oh, je vois. Tu vas nous faire un numéro de magie. Bonne idée.
Rien dans tes manches. Parfait. Regarde. Quoi, de ce côté? Je ne vois rien du tout. Oh, bravo! Tu as fait apparaître ce paquet de cartes sur ta tête grâce à tes talents de magicien. Choisis. D'accord, je dois choisir une carte. Et après, comme par magie, tu vas deviner laquelle j'ai choisie. Voyons voir. Alors, je vais choisir le ballon. Mais ne dites rien à Pocoyo. C'est bon, Pocoyo, j'ai choisi une carte. C'est très difficile comme numéro. Si tu retrouves la carte que j'ai choisie, tu es un grand magicien. Chut! Oh, pardon. La maison? S'il vous plaît, les enfants, dites-lui si c'est la bonne carte. Non, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la maison. Recommence. La voiture? Dites à Pocoyo si c'est bien la voiture que j'ai choisie. Non, c'était le ballon. J'avais choisi le ballon, Pocoyo. Ah, je suis désolé. Pas bon. Ah oui, bien sûr, c'est la faute des cartes. Non. Pocoyo dit que c'est dangereux de toucher au matériel d'un magicien si on ne connaît pas la magie. Vous ne devez pas jouer avec. Toujours rien dans les manches. Bravo, une balle en éponge. Disparu. Tu veux la faire disparaître, c'est ça? Souffle. Oh, j'adore ce numéro. Pocoyo, la balle, elle est toujours là. Tu veux que l'on souffle tous sur la balle pour la faire disparaître? D'accord, nous allons souffler ensemble. Ça a marché, Pocoyo! Regarde! Mais où est passée la balle? Oui, je la vois! Elle est sur son... Pocoyo. Nous avons trouvé ta balle. Tout le monde veut que tu continues, Pocoyo. Tes numéros sont très amusants. C'est drôle. Oh, je n'ai jamais autant ri. Je te demande pardon, Pocoyo, mais... C'est magnifique, Pocoyo. Il trouve que tu es le magicien le plus drôle qui existe. Et je suis bien d'accord avec eux. Nos petits amis font passer le mot. Tout le monde participe, sauf... Ah, tout le monde est en train de préparer quelque chose. Tu devrais aller les rejoindre, Pocoyo. Non. Ah, je vois. Tu es fâché parce que tes numéros de magie ne se sont pas passés comme prévu. Pas de magie. D'accord, ce n'était pas de la magie, mais en tout cas, c'était les numéros les plus drôles que j'ai jamais vus. J'entends quelque chose.
Regarde autour de toi, Pocoyo. Ils sont venus exprès pour voir un numéro du magicien le plus drôle de toute la planète. Tous ceux que tu connais sont là. Qu'en penses-tu, Pocoyo? Tu vas leur faire un numéro? Non! Tada! C'est drôle. Il faut applaudir très fort, Pocoyo, le magicien le plus drôle de la planète. Un grand bravo pour Pocoyo. Il reste toujours lui-même et c'est ça qui compte. Au revoir et à bientôt. Oh, regardez, c'est la petite chenille. Bonjour, petite chenille. Où vas-tu comme ça? Oh, bonjour, les amis. Bonjour, bonjour. Ça va, les amis? Vous m'avez l'air bien joyeux aujourd'hui. Puis-je savoir pourquoi vous êtes aussi excités? On fait spectacle. Ah, vous faites un spectacle avec des numéros? Eh bien, alors qui passe en premier? Ah, Ellie, formidable. Ellie est en train de nous présenter un numéro de danse karaté. Étonnant. Faites comme nous et applaudissez-la bien fort. Bravo! C'était très bien. Ah, c'est toi qui passes maintenant, bébé oiseau. C'est toi qui as fabriqué ça tout seul, bébé oiseau. Et tu dis que tu vas faire la bille. D'accord. Allez, vas-y alors. Oh, regardez-moi tous ces points! C'est très étonnant comme numéro. Tout va bien, petite chenille? Suivant! Oui, oui, le spectacle continue. Baleine! C'est au tour de la baleine, mais oui, mais où est la baleine? Baleine? C'était vraiment très joli. Bravo! Applaudissez-la bien fort, les enfants. Bravo! Apparemment, Patou a décidé de nous faire un petit numéro de mime. Il va faire semblant d'être des choses. C'est bien ça. Intéressant. Oh! Oh, une table de ping-pong. Très ressemblant. Un pot de fleurs. J'ai trouvé tout de suite. Un ventilateur très bien imité. Une balançoire. Tu es très doué, Pato. Ah, tu veux que l'on devine ce que tu vas faire maintenant. D'accord. À votre avis, les enfants, Pato fait semblant d'être quel objet? Une horloge. Pato est une horloge. Oui, c'est une horloge. Oui, je crois que vous avez raison. C'est une horloge. Encore une devinette? C'est la dernière. Alors, tenez-vous prêts, les amis. Oh là là! Une voiture! Une voiture qui roule sur une route! Magnifique! Applaudissons-le bien fort! Oui. C'était formidable, Pato. Oui. Tu nous as impressionnés. Ah, petite chenille, c'est à toi. Ah, je crois qu'elle a envie que tu passes avant, Pocoyo. J'espère que ça ne te dérange pas. Tu veux que je lise ce texte? C'est bien ça? Oh, tu as écrit une histoire. Il était une fois un tout petit moustique. Petit moustique? Qui vivait dans un énorme château. Énorme château. Mais le pauvre moustique se sentait très seul dans cet énorme château. Oui, très seul. Tout à coup, il eut une idée. Il décida de donner une grande fête. Grande fête! Il choisit d'inviter son ami Pablo,
mais aussi Marcus, le minibus. Oh, et Martha, la montagne. Le petit moustique prit sa moto pour aller voir ses amis et leur donner une invitation quand... Boum ! La moto tomba. Heureusement, il ne fut pas blessé car il avait pensé à mettre son casque. Fin ! Belle histoire, applaudissons-le ! Petite chenille, mais où vas-tu ? C'est à toi maintenant. Oh non, elle s'envole. S'il te plaît, petite chenille, essaie au moins une fois. Tout va bien se passer et de toute façon, c'est juste pour s'amuser. S'il vous plaît, les enfants, aidez-moi à encourager la petite chenille. Essaye, petite chenille. N'aie pas peur, on veut voir ce que tu sais faire. Ah, parfait. Montre-nous ce que tu sais faire. Un hippopotame. Un hippopotame. Bonne idée, pourquoi pas. Alors la petite chenille dit que les hippopotames sont des animaux herbivores assez larges qui vivent principalement en Afrique subsaharienne. Très intéressant. Ah, et ils passent la plupart de leur journée dans l'eau et ils suivent un régime à base de plantes aquatiques, mais la nuit ils vont brouter sur la terre. Je ne m'attendais pas à ça. Hip, 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 hourra! Les enfants, applaudissez bien fort la petite chenille. Je ne savais pas qu'elle connaissait autant de choses. Oui, oui, bravo, bravo. Au revoir et à très bientôt. Un hippopotame.